Mais les gars, là, ça, c'est vraiment dur pour moi, là. Level 80%. C'est trop pour moi, on arrête. Bon les gars, c'était tellement éprouvant cette vidéo, les gars, je me sens pas bien. Ah, vous êtes prêts? J'avais dit que j'arrêterais, hein. Mais bon, les pires vidéos d'internet partie 5, c'est parti. Donc les frères, let's go, cinquième partie. Mais là, je vais pas arriver sans rien. Les frères, pour cette cinquième partie de Stretch Énorme, je me suis muni de mon gilet et de mes lunettes anti-cringe. Les gars, comme d'habitude, hein, je vous ai demandé sur Twitter de m'envoyer les pires vidéos d'internet que vous connaissez. Du bien cringe, regardez, j'ai dit quoi? L'été arrive, il fait beau, on est content. Maintenant, mettez sous ce tweet les pires vidéos d'internet que vous connaissez. Wesh, on dirait que j'aime la douleur, je vais encore faire un react et souffrir pour vous là. Wesh, qu'est-ce que je fais pas pour le divertissement là? Les gars, y'a Nix le Twittos qui m'a envoyé une vidéo. Pitié, c'est Astérion. Pitié. On l'a reconnu, les gars, on l'a reconnu. Les vrais, ils savent que son ancien pseudo c'était Kirby54. Bon, allez. C'est le train de la hype. Mais non! Ouais! Ouais, c'est le temps! Et c'est le train! Ouais, c'est le temps! Les gars, j'aimerais bien savoir juste ce qu'il y a eu dans sa tête. Dites-vous, les gars, il y a des centaines, des milliers de viewers qui regardent là. Il est en train de faire le cri du. Du cri du. Ah! Amusement. On va bien s'amuser là. On va bien s'amuser. Eh, hey, j'ai pas peur de le dire, les gars, c'est le summum du divertissement. Il y a trop de trucs cringe comme ça avec lui. Bref, les gars, on commence lourd là. Je commence déjà à transpirer, les frères. Prochaine vidéo. Moxie00 qui m'envoie 3 vidéos carrément. Il voulait que je souffre. Il voulait que je meure en fait. Tu sais quoi? Oh. Wesh, il est lent le lait, wesh. Wesh, c'est les 9 secondes les plus longues de ma vie. J'ai juré de trouver le One Piece, c'est plus rapide. Quoi, Koubé? Les gars, même les lunettes, elles suffisent plus. Oh, les frères, qu'on se pose 2 secondes, là. La traîne du Kwakubé, là. De base, c'était même pas drôle. C'était même pas drôle, de base. Et ça nous a tous envahis. Même moi, carrément, je sortais des Kwakubé, comme ça. On peut arrêter, s'il vous plaît. Imaginez, tu vas à un date et la personne en face de toi, elle fait ça. Je suis stressé, là, je suis arrivé en avance, là, je pue de la gueule ou pas? Oh, c'est bon, il est là. Ça va ou quoi? Salut, désolé, je suis un peu en retard. Oh, t'inquiète, t'es pas en retard, c'est juste moi, je suis en avance. Je suis un peu timide, désolé. Oh, chef, t'as quoi sur les mains? En mode vibreur ou? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi tes machins là? Mais ça te fait peur quand je fais ça? Chef, date tes voyages. Eh, touche pas là! Pff, les gars, on est à peine à la deuxième vidéo, j'ai déjà pris des dégâts de zone, frère. Bon, allez, prochaine vidéo, les gars. Oh là là, les frères, pitié. Luigi! C'est peut-être Louis là-bas, mais c'est pas Luigi, c'est pas Luigi. Touche la boîte à regarder sa main droite. Pardon. La vie, pardon d'avoir rigolé. Mais wesh, mais qui lui a donné internet? Mais coupez-lui internet. Faut voir la chaleur qu'il fait ici, les frères. Je sais pas combien de degrés il fait chez vous, mais à Bordeaux là il fait 30 degrés. Regardez le setup que j'ai pris. Ça sert à rien de toute façon. C'est bon les gars, c'est parti. C'est la 5ème vidéo que je fais là-dessus. À force, je commence à être habitué là. Oh. D'ailleurs, les frères, si vous voulez participer à ce genre de vidéo, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter. C'est là qu'on participe, c'est là qu'on rigole, c'est là qu'on vanne les gens. Mon Twitter il s'affiche juste ici. Vous venez me follow. Et la prochaine vidéo peut-être. Hein. Là, cette fois-ci, je vais dire 10 000 likes et on fait une partie 6. Pas moi, hein. 10 000 likes. Partie 6 les frères et ce sera sur Twitter aussi. Bref, prochaine vidéo. Ok, le frérot Corleone qui nous envoie 4 vidéos. OMG le flop. Oh les snaps français. J'ai juré, l'univers il s'est arrêté pendant 2 secondes. Ça a mis en pause la vie de tout le. Les gars, je vous ai déjà dit d'arrêter ça. Ça suffit, on est fatigué. Oui, je. Ah bah non. Nia itini. Sur quoi? Les gars, faut arrêter. Ça veut dire. T'as les crampés? Hein? Oh, j'ai rien demandé. Aujourd'hui, c'est trop. Un Kwakubaka! Stop les gars, c'est quoi ça? Ça veut dire là, ils sont dans leur chambre d'internat et tout. Là, il y a le surveillant, il est passé, il se dit, ok, tranquille, ça révise. Mais quand il est passé devant la porte, il a dû entendre ça, frère! Bon, ça dort ici ou pas? Chambre 42, ok. Chambre 43? Oui! T'as les crampés? Oui! Hein? Eh? Eh les gars! Mais les gars, vous jouez à quoi là? Ah mais les gars, pitié, moi aussi j'avoue, j'ai fait la trend aussi avec Bianca, mais c'était pas aussi grave. Là on dirait, ils ont vraiment pris goût à faire ça. Oh non, pas lui. Oui, la chose. Oui, je suis un peu stressé. J'ai perdu mon violon. Pourquoi pas? Oh! Wesh! C'est... Mais gros!
aussi, ça j'irais te doser aussi, frère. Je me suis abonné à lui sur TikTok carrément. Mais là, gros, là, je peux pas cautionner. Il a voulu faire mercredi. C'est mardi gras, à la limite. Prochaine vidéo. Live TikTok. Non, à l'abattoir. Ouais, normal. Ouais, je suis pas pour l'abattoir moi non plus hein. Mais toi on va bien t'abattre là. Comment je veux nous forcer à regarder ça? Ça veut dire qu'il y a 4000 personnes qui regardaient ça là. Je vais faire des cauchemars moi. Ça y est les gars, oh, j'en peux plus. Oh, bref, prochaine vidéo. D'ailleurs les gars là, je suis en train d'y penser, mais on s'approche tellement des 100 000 abonnés les crêpes. Les gars, on va retourner internet. Je le dis à chaque fois, je le répète, ça vous saoule. Mais moi je vous le dis, je le répète encore. Mais je suis pas là pour rester dans mon coin. Je suis là pour être le meilleur youtubeur français. Je sais que c'est une ambition de zinzin. Je sais que ça va être compliqué, qu'il y aura du temps, il y aura des haters sur mon chemin et tout. Mais je m'en fous les gars, moi je vais aller droit devant, faire des gros concepts. Et même faire des concepts simples comme on est en train de faire là actuellement. Donc les gars, montez dans le bateau, rejoignez l'équipage, il est encore temps. Abonnez-vous, activez la cloche parce que les gars, la semaine prochaine, il y a la plus grosse vidéo de ma chaîne qui va sortir avec un très beau feat. Je vais pas vous spoil les gars, je vais pas vous spoil. Mais activez la cloche, le pouce bleu et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez la vidéo. Et surtout si vous êtes en train de mourir de cringe. Parce que là moi je suis en train de mourir de cringe. Il y a la barre de cringe là qui s'affiche. Regarde comment elle est déjà haute. Alors qu'on est même pas à la fin de la vidéo. Bref, c'est parti. Onizuka qui nous envoie, c'est si gênant, mais ça en devient presque drôle. Les gars qui rentrent dans le saloon. Super énervé. Attends. C'est filmé au qui dit zoomou. On dirait que c'est filmé au micro-ondes. Les gars qui rentrent dans le saloon, super énervé. Un petit mais je connais ça à l'ancienne. Il rentre dans le cow-boy, il fait. Qui c'est qui a mon cheval en bleu. Et là t'as un énorme gaillard qui se lève du comptoir et qui lui fait. C'est moi, pourquoi? Eh petit cow-boy, il fait. C'est juste pour savoir quand vous allez mettre la deuxième couche. Moi les gars, c'est. Oh, c'est bon pour moi. Ah non les gars, vous pensez que je rigolais? Non, je rigole pas, moi je me casse. Moi c'est fini. Ça y est frère. Moi je vais sauter par la fenêtre là, c'est quoi ce délire? Vous voulez que... Oh, en plus les frères, je connaissais la vidéo, mais ça faisait tellement longtemps. Et vraiment, ça m'a ravivé des souvenirs carrément. Je sais pas si vous vous souvenez, mais cette vidéo est tournée partout sur internet. Eh les gars, on a tous vécu un moment où tu flopes en public comme ça. C'est pour ça que j'ai rigolé et tout. Mais en vrai, je le comprends. Genre t'es là, t'es comme ça avec ton groupe de potes, t'es en soirée tranquille, autour d'un petit barbecue en détente. Ça raconte des vannes, ça boit du jus de fruits, ça mange des petits sandwichs en détente au barbecue tranquille, ça rigole et tout. Et là, tu sens que t'as une idée. T'as une vanne, mais t'arrives pas à la placer. Parce qu'il y a tout le monde qui parle. Et là, ça monte. Et t'arrives, tu fais, eh les gars. Et tu flopes devant tout le monde. Déjà les frères, si je peux vous donner un conseil, quand vous avez une vanne à dire en public, tapez pas les gens. Eh les gars, c'est que comme ça que tu floppes. Les gars, c'est que comme ça que tu peux flopper. Moi je sais que j'ai déjà vécu une situation comme ça. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé les gars. C'est un délire, la solitude que tu ressens. Bref, prochaine vidéo. Gecko qui nous envoie pas mal de vidéos, c'est quoi celle-là? T'as les crantés? Hein? À pognon. Quacou bisou mon chouchou. Stop. On avait compris dès le début. Déjà c'est quoi ce crossover là? Je m'attendais pas. Quacou bisou. Et elle continue quacou bisou à la crème. Stop chef, stop. On avait compris déjà de base. Ça se voit que je suis à bout ou pas? Non les gars, je suis totalement calme. Prochaine vidéo. Je me suis vraiment senti agressé. C'est quoi ça? La vidéo elle a l'air tranquille pourtant. Je vais me faire copyright. Wesh. Est-ce qu'on voit là que la partie 5 elle est en train de m'atteindre mentalement? Mon mental il est en train de descendre comme ça. Regardez juste ma barre de cringe, à quel point elle est élevée. Prochaine vidéo. Ok, il m'a juste envoyé la vidéo comme ça, il a pas mis de titre. How to stretch toaster. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce que je viens de voir? J'espère que je suis pas le seul à avoir eu cette réaction les gars. C'est le titan qui a bouffé la daronne des reines dans SNK là. Oh le flashback, on dirait la pub énergie mobile, je sais pas quoi. Je pense que vous voyez de toute façon ça s'affiche juste là à l'écran. Plus de... Je vais faire des cauchemars premier degré là. Prochaine vidéo. Tellement que c'est cringe, c'est drôle. Gazo. Hey, gazo. Les gars, je vous jure que la scène est lunaire. Juste Gazo, c'est quoi cette force mentale qu'il a? Dans sa tête, ça s'est passé comme ça. Hey. Donc là, tu vas me dire, mon métier, c'est de rapper devant un daron en train de twerker. Mais pitié, mais qui m'a envoyé, frère? Chef, ça y est aussi. Intenable celle-là. 21 secondes de cringe. Okay, les gars. Ah, je me prépare. Ah. Cola. Potato chips. Potato chips. Cola. Potato chips. Pudding. Oh.
crois-moi, crois-moi. Mais pourquoi c'est moi que vous avez choisi pour réagir à ça? Dans sa tête, il s'est dit, tiens, je vais mettre ma caméra sur un trépied qui coûte 90 euros. Je vais l'allumer, je vais prendre du coca, des chips, je vais faire coca, Coca-Cola, comme ça, et je vais faire chier tout le monde. Parce que là, tu me fais chier. J'espère pour lui qu'il fait exprès. Oh non, je l'ai déjà vu sur TikTok, lui, les gars. Non, non, non. Mourir ou rester en vie? On va continuer, mais juste attendez. Mourir ou rester en vie? Oh, mais t'as choisi rester en... Mais pourquoi? Pourquoi tu veux pas mourir? Réveille-toi, Harry. C'est quel genre de dilemme, ça? Ça, il m'a déjà énervé. Tu préfères sortir avec un mec bien ou un bâtard? Mais chef, attends, mais c'est quoi le dilemme, là? Pourquoi? Mais je sais pas, c'est logique. Bah, c'est logique, ouais, c'est logique. Il peut être un mec bien, mais un bâtard derrière. Moi, je veux une pipe ou pas? T'as compris quoi? On a entendu ce qu'il a dit. Carrément, je me pose. C'est un malade, là, rien à faire en liberté. Faut l'interner, le frérot, là. Oh non, pitié, les gars, Bouli, il a encore participé. Wesh, on dirait que t'aimes bien participer à ce genre de vidéo. T'aimes bien me faire souffrir, on dirait, là. C'est quoi ça? 235 likes en plus, tout le truc, hein. Pff, c'est encore un vocal, les gars, je vous ai dit. Je suis un bébé, je veux mon biberon, voilà. Je suis un sale bébé qui veut du halib, voilà. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça veut dire, il a pris son téléphone, il s'est dit « Ah, bébé, t'inquiète pas, y'a pas de bébé ici, on s'occupe bien d'elle. » Comment tu es bébé, frère, c'est un délire, gros. En plus, ce genre de gars, là, qui envoie des vocaux comme ça, c'est le genre de mec qui n'assume pas d'être en couple. C'est-à-dire, quand ils se baladent avec leur meuf, ça se passe comme ça. Oh, mais wesh, oh, mais tu fais quoi? T'as essayé de faire quoi, là, encore? Mais je vais te donner la main. Non, mais je t'ai déjà dit, relation discrète, relation parfaite, tu me donnes pas la main, il peut y avoir du monde, là, frère. Mais y'a personne. Regardez la vidéo que j'ai trouvée. Je vais pas faire un react, hein, parce que je la connais déjà, mais juste ces cadeaux, je vous le donne. Vous savez ce qui m'a fait craquer, là, cette vidéo? C'est les larmes. Chef, poteau, pourquoi il pleure? Kawaii. J'en ai marre, on n'en peut plus. Vous voulez pas garder vos mains dans vos poches comme tout le monde et je sais pas. Ça y est, on est fatigué, arrêtez aussi. C'est quoi ça? Wesh, pourquoi vous rigolez là chez vous? Ça que c'est délire là, ouais, je... Ok, petit Manu, qu'est-ce que tu nous as envoyé encore là? Je suis en train de voir un Nokia 3310. Qu'est-ce qu'elle fait la dame là? Ah mais c'est un monsieur. Attendez juste les gars, j'ai eu un message de ma daronne. Coucou mon chéri, comment ça va? Je tiens juste à dire que t'es déshérité. Va te faire foutre, c'est quoi ces vidéos que t'es en train de nous infliger là? Arrête ça tout de suite. Wesh, je crois qu'il faut que j'arrête là.